Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on est en live pour une nouvelle découverte avec Gear 5 et je ne suis pas tout seul, coucou Atomium. Bah non, t'es avec Gear 5 visiblement, t'es pas avec Ato, bravo. Ça commence Crane. Bien. Ça démarre très très bien, bonjour à tout le monde du coup, et oui, on va voir Gear 5 ensemble parce que c'est un jeu qu'on peut faire en coop et c'est un jeu qui a l'air bien et bourrin. Hein, donc ça a l'air et c'est, on est totalement dans notre élément là en plus. On a... Alors c'est complètement là où les gens nous attendent, j'en suis convaincu. C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que quand je vais faire du Call of Duty, pareil, tout le monde va me dire que je suis une nation. Bah, en fait là, on essaye de les préparer. Call of Duty, oui. Fortnite, tout arrive derrière, tout arrive. Il est vrai. Mais ceci dit, Gears fait quand même partie des licences qui proposent un gameplay qui a quand même apporté une pierre angulaire du TPS absolument folle, c'est le système de couverture qui après a été repris dans tous les jeux de l'univers. Donc on peut pas dire quand même que là c'est pas un jeu de la légende. On est sur une grosse licence. Mais pareil qu'il est bien le Gear 5. Il y a plein de gens qui arrêtent pas d'en dire du bien. Donc du coup ça donne envie de le tester, surtout quand il coûte 1€. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce qu'on ça a pris le Game peu. Pass Microsoft. Et voilà. Alors sur ça, PC. C'est bien. Sur PC, il coûte 1€ parce que en fait sur PC le premier mois t'es proposé 1€ et les autres je crois à 3 ou 4€. Mais sur console, je crois que le Game Pass coûte plus cher quand même, c'est à 10 balles. Mais par contre, c'est vrai que c'est une offre super intéressante. Quoi. J'ai vu qu'il y avait l'offre Ultimate pendant 2 mois à 2€. Il y a un truc comme ça là qui comprend PC et console. Bref, on vous laissera aller checker. Hein, c'est pas sponsor, hein, ouais. C'est juste plans. Donc voilà. Et juste pour dire 2-3 autres jeux quand même vite fait, c'est qu'il y a aussi donc des jeux, bah, déjà il y a la Master Chief Collection qui arrive de Halo, ce qui va être fou, et puis donc ça aussi qu'on peut faire en coop, et donc il y a Forza actuellement qui est genre un des meilleurs jeux de voiture de tous les temps et qui est juste ouf ici, mais pareil quoi, tu te dis, tu prends ton abonnement pour un mois où t'as beaucoup de temps de jeu et tu te fais le mois de tes rêves quoi. Donc, ah oui, il y a plein de jeux que j'ai fait, que j'ai kiffé, genre des petits jeux, genre Operantia, il y a Battle Chaser que j'adore, il y a Hollow Knight, il y a vraiment plein, Hollow Knight, ouais non, il y a plein de bons trucs. Il y a plein de très bons jeux. Mais c'est une sorte aussi, de Netflix du jeu vidéo, quoi, mais avec des produits normalement sur Xbox. Quoi. Ouais, et vu que c'est constructeur aussi, c'est pas associé forcément à un éditeur, donc du coup, il y a pas mal de choses qui sont assez inédites, et puis la sélection de jeux indés est très bonne. Enfin bref, ça pour dire que l'offre est super stylée, donc n'hésitez pas. Et donc, on va jouer à Gear 5, effectivement. Alors, Crane, on fait la campagne en quelle difficulté? Il y a plus facile que facile ou pas? non, au moins normal, Crane, je te couvrirai s'il faut, au moins normal. Ok. Trouver une partie personnelle. Non, nouveau. Alors attends, si je fais ça. C'est toi qui décides comment on fait. On va vous laisser profiter un petit peu. Je suis en train de créer. Est-ce que ça. Création du salon. Est-ce que ça t'affiche quelque chose ou pas du tout? Écoute, moi il me dit escouade attendre de l'hôte, donc je t'attends. Okay. Ah bah c'est bon, je te vois. Difficulté intermédiaire, difficulté débutant, difficulté dément et mérite. Intermédiaire, ça a l'air bien intermédiaire. Bah intermédiaire, c'est. Attends, on peut ne pas mettre la même si on veut. Attends, mais moi je veux changer mon skin, moi. Parce que je crois que tu. Si tu peux. Mais non. De quoi? Ah non, c'est que pour le chapitre, je pense que t'es obligé d'être, d'être un personnage parce qu'il y a de. Mais enfin, on pourrait jouer le robot si on veut. Bon, on va jouer les deux Billy. Hein. Ouais. Si tu veux jouer en plus facile, tu peux, Crane, si jamais t'es pas à l'aise avec le truc, parce que je vois qu'on peut changer intermédiaire, débutant, émérite, démon. Non, mais ça va aller, je plaisantais. Je vais d'accord, tout roxer. Bon, je sais pas. On verra, non, on verra. Au pire, ça voilà. Va. On meurt, puis on c'est pas grave. Mais de toute façon, je te couvrirai, t'inquiète, je suis très habitué à ça. C'est vrai? Ouais, j'ai. Bah, en fait, parmi les succès que j'avais fait sur mon ancien compte Xbox qui a été viré pour des raisons qu'on ne citera pas, j'avais justement fait Gears 2 à 100%, qui était très Oui, loin. Ah, mais t'étais un professionnel, d'accord. Non, mais j'ai un peu joué quoi. Mais non, j'ai mais pas du tout aimé le 3 et le 4, je n'y ai pas joué. Donc quand j'ai vu que le 5 était trop bien, j'ai fait bah oui, direct. Donc ouais, non, vraiment. Ok, m'a jamais touché un Gears, donc ça sera. J'ai fait le petit tuto, mais c'est tout. Allez, je lance, c'est parti. Attends, et zou, probablement cinématique, on disparaît. Ah, je vais péter le son à fond. Ah, il y a un timer. On s'est fait peinter. 3, 2, 1, c'est parti. Un tiers dans la nuit. Et un chargement après. Il y a toujours des chargements. Enfin, alors vous allez voir, techniquement, le jeu il défonce. Je sais pas en quelle très joli qualité fond, tu joues, mais c'est assez ouf. On la puce. Ah, c'est vraiment le fun. Très joli feuillage. Ah, cette chute d'eau, incroyable. Oui. C'est toujours terrible les chargements, c'est toujours terrible. Ah, ça attends, dure moi j'ai pas lu le conseil. Ah, attention. Précédemment dans Gears of War. Oh, le résumé est trop bien. Avant, on protégeait les camps de la CGU, et là on en attaque un. Les étrangers sont forts pour ça. Lieutenant, ça faisait longtemps. Le village n'a plus d'électricité depuis des semaines. Il nous faut le fabricator. Je me contrefous de ce fabricator. Vous me prenez mes gens. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je fais court, la CGU va pas tarder. Vous m'aviez promis que vous voleriez le Fabricator sans provoquer Jean. Ça a rien à voir avec le Fabricator. Alors, vous avez fait quoi? Jean, elle nous a accusés de kidnapper des gens. Je sais pas ce qu'elle racontait. Amenez le Fabricator dans la centrale et installez l'inverseur. Jean reviendra, j'espère que tu le sais. Il faut partir, vite! Maman! Kate, écoute, tu dois te cacher et après tu dois t'enfuir. Écoute, tu sais tout aussi bien que moi qui peut nous aider. Notre village s'est fait attaquer. Et ma mère s'est fait enlever. Enlever ? Pas, je crois que tu devrais regarder ça. Merde. Les gars ? Dylan, tu m'as dit que c'était pas la CGU qui te courait. Ouais, mais ça, c'était pas tout à fait vrai. Il faut traverser le fort et atteindre la mine d'osmium abandonnée de l'autre côté. Parce que la CGU y a acheté quelques milliers de cadavres de locustes après la guerre. Alors si votre vermine est liée à toutes ces larves, c'est là-bas qu'on le saura. Papa ! Non ! On prenne les gens et les utilise. Et si on n'arrive pas à le récupérer ? Alors ? Je suppose qu'on devra se débrouiller seul. Merde ! Au moins, on est sûr de savoir d'où il venait. Et on sait où vont les écumeurs. Mon père est vivant et il est là-dessous, ok ? James, dans la cosse, je pouvais voir tout leur réseau. C'est toute leur ruche à la con. Et tout est connecté. Les locustes, ils sont jamais morts, James. Kate, ta mère, est vivante. Où est-elle? Et j'ai vu qu'ils la traitaient pas comme les autres. Pas de cosse. Si vous me libérez, je meurs. Ça va aller. Elle voulait te confier ça. C'était à ma grand-mère. Je l'ai jamais connue. Kate n'est pas prête pour ça.
Elle peut à peine garder les yeux ouverts. Ne t'en fais pas pour elle. Elle peut le faire. Ok, on est presque aux coordonnées de merde. Bienvenue à Azura. C'était quand la dernière fois que t'as dormi? Cette nuit, environ 8 ou 9 minutes, ouais. Des cauchemars? Ça passera. Tu finiras par t'y faire. Ok, voyons ce qu'on a. Allez, on se prépare pour le largage. Bon, qui saute en premier ? En tout cas, ce sera pas toi. Del, je vais bien, d'accord? Ouais, c'est ça. Oh, merde. Merci, Del. Sam, on va descendre. Bien reçu. On vous attend ici. Allez, à toutes. Hey, Dave, tu t'amènes? Ok, contrôle, on se déploie. Contrôle, c'est sérieux. Merde, Crane, on joue. Oui, apparemment, on joue. Oups, attends, c'était pas prévu. Attends. Enfin, on baisse un chouille le son du jeu. Et on est bon. Ok, faut bien se passer. Vous me direz si c'est ok pour l'équilibrage sur le live. Bon, bah, Crane, t'en as pensé quoi de cette intro là? Et bah, le scénario du 4, il avait pas l'air fabuleux quand même, hein. Mais il paraît que le scénario du 5 incroyable. Est très bien. Bah, je sais pas, ça avait l'air de faire le taf en fait. Et d'après tes infos, non, mais c'était sympa. Un peu nanardesque, mais sympa. Ouais, bah, tu sais, c'est un peu les ambiances, tu sais, comme la guerre. Non, c'est pas la guerre des mondes. Comment il s'appelle ce truc, tu sais, où il y a des. Le règne du feu, non? Où t'as des dragons, des militaires. Des dragons et des militaires. Mais oui, je crois que c'était ça, Règne du Feu, Reign of Fire, un truc comme ça. Il y avait un jeu d'ailleurs sur Xbox à platiner. Enfin, à platiner. Mais, oh, le ouais, jeu ouais, est non, beau, hein. Mais Marcus a la classe, hein. Mais Marcus, il défonce, il est trop bien. Ouais. Ah, ma voix est un peu faible, je pourrais pas monter ma voix plus fort. Ah. Donc, ouais, je vais peut-être baisser le son pour équilibrer. Bon, alors, du coup, on avance un petit peu. Où est-ce que t'es parti? Tu as couru? Bon, non, je suis juste à côté de toi. Ah, d'accord, ok, très bien. Ouais, c'est très très beau. Mais c'est très très beau, hein. C'est vraiment magnifique, hein. Ouais. Techniquement, ça envoie propre. Par contre, j'ai l'impression que c'est pas très fluide sur mon live. Vous me direz, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un 60 images parfait, quoi. Moi, ça a l'air bien fluide. Vous me direz aussi sur le live, mais en tout cas sur XSplit, c'est méga fluide. Ouais. Vous me direz. Peut-être faire un petit réglage tout à l'heure à la prochaine cinématique si vraiment c'est trop saccadé. Je t'ai vu t'accroupir pour monter. Ah oui, moi aussi. Ah oui, non, mais les contrôles sont pas forcément faciles au clavier souris. Toi, tu joues à la manette du coup là? Ouais, je joue à la manette. Ouais, on va voir. La visée est dure à la manette, j'ai l'impression, quand t'as pas l'habitude, quoi. C'est toujours pareil. Oui. Moi, je veux bien le transformer en Walking Simulator, tellement c'est beau, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, ouais, c'est. Oh, ça claque. Hein. Xbox et Microsoft, c'est vraiment la technique, tu vois. Et... Oui. Et dès le début, ils sont allés dans cet axe là et ils ont fait la max comme ils ont pu, quoi. Enfin. Je me rappelle toujours pareil, la première Xbox, quand t'avais Dead or Alive 3 qui était sorti, mais tu pétais un plomb tellement c'était beau de ouf, quoi. T'as jamais vu ça ta vie dans un jeu de combat. Je suis un gros fan de la première Xbox, moi. Je l'ai toujours. Non, tu l'as encore, du coup, là? Avec pas mal de jeux. Ouais, mais si on arrive à lancer ces satellites, on pourra cramer la vermine depuis l'espace. Ah non, puis là. La One X, là, il paraît qu'elle tabasse aussi au niveau pair. Mais là, regarde ça, c'est mal. Comment on est censé explorer un endroit qui s'effondre? Et vite! Ouais, après on peut suivre cette corniche.
Le plan de Baird de lancer un... Vous avez bien le son du jeu là sur le live ou pas? Mal foutu. Quand même qu'il y a un peu le son de tout. Ouais, Baird est un spécialiste des plans foireux. Comment Baird a su qu'il y avait un satellite du rayon ici? C'est grâce à mon père. Avant de mourir, il a confié... Alors ce qui va être très très dur, ça va être dessus, parce qu'il sera content d'y aller. Oui, oui, oui. Il parle beaucoup là. Elle en est truffée. Tu veux dire si tu veux qu'on laisse les dialogues à fond ou quoi, en plein écran? J'essaye de trouver des jeux de mots avec Baird depuis tout à l'heure. Avec quoi? Avec Baird. C'est pourquoi le nom Baird de l'endroit. Ah, oh, Baird. Ah. Ouais, c'est vrai que ça a fait un côté The Expendables le jeu, ouais, comme on dit sur le... Dave, tu peux t'en occuper? Quand tu vois Marcus. Mais oui. Mais de ouf. Alors, ah, alors attends, on peut lui tendre des objets, Martin. Il peut nous les ramener. Alors, X. Dave, rapporte. Mais est-ce que Dave, il peut chanter? Tout à l'heure, je leur ai dit aussi le Dave de Alvin et les Chipmunks, pour les gens qui connaissent. Voilà. Ah, voilà. Non, moi, c'était Vanilla. C'était... Oui, bah oui, c'était une autre... Une autre époque. Ouais, quoi que Dave, il tourne encore aujourd'hui avec la télé. Hein. Ça m'étonnerait pas. Il a bien dû faire un truc genre la ferme ou je sais pas quoi. Non, il a... Enfin, si c'est possible, mais surtout, tu sais, c'est Incroyable Talent. D'accord. Incroyable Talent, c'est quoi? C'est... genre l'émission américaine, là? Ouais, ouais, ouais. Ils sont c'est la même podiums, en France, je sais pas quoi. Où les gens, ils font des trucs de ouf, et puis tu dis, waouh, génial, et puis voilà, c'est... Ouais. Il y avait des bons trucs, d'ailleurs. Les gens qui laissent traîner des trucs dans ces toilettes. Tronçonneuse. Ah tiens, à toi l'honneur. C'est plaisir de retrouver un jeu coop comme ça. C'est ça aussi qui est trop bien, quoi. C'est que bon, là, c'est enfin le retour de ce genre de jeu-là. Ah, oh, mais j'ai fait tout Halo 1 et Halo 2 avec un pote en coop. C'était tellement bien. Ouais. Allez, Halo, pour ça, c'est un peu magique. Attendez, je déteste le gameplay drôle, parce que je trouve qu'il n'y a aucune patate dans les armes. Mais par contre, l'univers est tellement ouf. Ah, par contre, le son, des fois, il s'emballe. Mais c'est classe. Voyez, petite chute de pierre. Ah, ça y est, on va pouvoir commencer à tirer partout! Pour qu'on sache à quoi on a affaire. Alors, il y a un ennemi en face. Ah, les voilà. Ah oui, effectivement, il y a les choses. Ouais. Ah oui, toi, tu... Oh, le mec, il veut pas, il tente le corps à corps! Ah bah, je sais pas. Non, mais comment on fait les succès après? Attends, faut allez, que je refasse. Ouais. Vas-y, vas-y. Alors on rappelle que dans ce jeu il y a un système de rechargement qui pareil a fait beaucoup d'émules et qui a été réutilisé dans plein de jeux derrière. C'est le fait d'appuyer sur la touche de rechargement au moment où la petite jauge en haut à droite est active. Avec un petit coup blanc. Les vrais stats je loot pendant le combat. Parfait. C'est quoi que tu as dit? Non, je dis les vrais strats, j'ai envoyé Dave looter pendant le combat. Ah nice. Allez, plus qu'un. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Bon, après, je pense pas que Dave il tape, si. On les a tous eus. Bah, il est jouable à 3, merde, j'ai l'impression. Peut-être qu'il peut tirer. Le cimetière locus de Nazura est actif. Alors, on peut ramasser des trucs au sol. Mais est-ce qu'on veut. Elle est bien notre arme, non? Bon, écoute, je sais pas, je vais en tester une autre, on va voir. Delta terminé. Allez, on doit trouver un de ces silos. En espérant que la vermine ne les ait pas tous détruits. Ah, il avait écrit élimination furtive. Nous dit Killer You. Incroyable. C'était marqué furtive. Ce jeu décidément plein de surprises. S'il n'y a pas de témoin, c'est furtif. Oui, c'est vrai. Après tout, pour lui, il est mort sans s'en rendre compte. Voilà. L'important, c'est pas qu'il n'y ait pas de bruit, c'est que personne n'entende le bruit. Finissons-en avec ça. Putain, ouais, techniquement. Non, c'est beau, hein. Ça doit coûter tellement cher à faire. À chaque instant, quoi. Ouais. Il y a trop de ruches actives. Ah, je savais que c'était une bonne idée qu'on se lance ce jeu-là. J'ai scanné, mais il n'y a personne. Pourtant, ça me dit. Non, c'est bon. Pas de petits lots de cachets, non. Ouais, c'était pour le scan, oui, c'est ça. T'as même l'effet de scan, il est trop propre, quoi. Ouais, ouais. Oula. Je peux tirer sur mes potes ou non, il n'y a pas de scan d'effet. Alors, j'ai tenté quelque chose, mais ça n'a pas marché. Comment est-ce qu'on fait la tronçonneuse? C'est que ça marche pas sur tout le monde? Merci. Ah, c'est peut-être quand il est par terre. Ah oui, c'est qu'on peut tronçonner les petits et les gros, faut les étourdir, ça je me rappelle maintenant. C'est quand ils sont costauds, c'est... ils tombent pas du premier coup. Là, tu peux le tronçonner par exemple. D'accord. Faut lancer une grenade là-dedans. On a des grenades? Normalement, oui. Grenades. Ah, ouais, je regarde les succès pour savoir si.
C'est nice, hein, le petit effet là. Ça, et... bah, j'espère surtout que le jeu artistiquement il est un peu varié. Parce que je me rappelle que le 2 c'était un peu ce qui était fatigant, même s'il était fabuleux. C'est que t'avais toujours le même décor, toujours de la chair de partout, c'était très sombre et tout. Et c'est. Au bout d'un moment ça donnait un petit côté ennuyeux. Ah, mais c'est pour ça que je pouvais pas. Prendre des munitions. Moi j'aime bien mon arme pour le moment. Les gars, elle est bien. On est dans un silo. Merde. On a trouvé un des silos, mais il est en. Ouais, je pense que c'est la tronçonneuse, en vrai, c'est la meilleure. Il en reste encore deux. Ouais. Et là, le est opérationnel. J'espère que. Je sais pas, pour le corps à corps. Il nous la donne direct, donc faut tant mieux. Ouais, c'est qu'on a pas la bonne arme pour la tronçonneuse. Mais là, c'est. Là, normalement, c'est bon. Non, mais c'est. Mais si. Terminé. Ok. Tout ce qu'il faut. C'est vraiment sympa. Ouais. Ça donne tellement envie de se poser sur un canap, sur une grande télé. Et d'être de jouer en coop, mais l'un à côté de l'autre. D'aller par là. C'est vrai qu'on aurait pu faire non, ça aussi. On va y penser pour la prochaine. Bonne idée. Merci Golden. Soyez prudent. T'es sûr de ton coup ? Ah, et puis c'est fluide de tous les instants. Ah, ouais, non, c'est. T'as une meilleure idée ? J'ai pas du tout mais écouté. Mais y'en a pas assez, mais ça doit être par là. Ou pas, je ou non. Je pense que je nous ai mal guidé, Crane. Imagine qu'il faut descendre. On vient d'où nous ? On n'a pas été par là. Non, pas été. C'est pas. T'es où ? T'es descendu ? Je sais pas, j'ai pris un chemin. D'accord. Je sais pas d'où on vient. Non, là c'est d'où on vient là. Là où t'es allé, c'est là d'où on vient, oui. Ouais, c'est d'où on vient. Non, on va aller à droite, je pense, c'est ça. Hein. Ouais, à droite, c'est bien. Est-ce qu'il y a une barre d'endu quand on court ou on peut courir toute la vie ? Tu peux courir toute la vie, c'est juste qu'après pour diriger, c'est un peu chiant, tu vois, mais ça se fait. JD, ah. L'attrape. Attends, y'a la petite trappe là. Mais oui, les jeux locaux, enfin, jouables en local de ce style là, c'est carrément votre disparition. Ça ressemble à un tunnel d'échappement. Oui. Mais est-ce qu'il sort du silo ? Y'a qu'un moyen mais de ça le manque savoir. Les bons jeux coop. Y'en a un, mais. Bah, le truc, c'est que c'est souvent des modes de jeu coop du style, tu vois, les modes horde, les modes machin, tu vois. Enfin, par exemple, World War Z était trop bien. Mais en mode aventure avec de l'histoire, c'est vrai qu'il y en a plus tant que ça maintenant. Y'en a un, mais c'est vrai. C'est quand même galère de viser avec une. Ils sont passés où ? Y'en a d'autres ? Bah, faut, ouais, y'a une petite habitude à choper, quoi. Ouais, non, ça marche pas. Je pense que je me suis embrouillé pour cette histoire de tronçonneuse là. Y'a un truc qui m'a échappé dans le tuto. Donc, je vais arrêter de faire n'importe quoi et je vais jouer normalement. Ah, je crois que je suis mort. Ah, je suis désolé si on a un. Non, je vais foutre un game over à tous les deux. Échec de l'objectif, Atomium est mort. Ah bah oui. Je suis désolé. Oh là là, mais t'es pas bon. Mais. Non, je fais ça. Non, mais c'est bon, relance, t'inquiète pas, mais c'est. Non, j'ai fait une bêtise. Recharger le point de ravitaillement actuel. Oui, on est bien là. Ouais, c'est tout bon. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai un problème d'arme. En fait, je voulais faire la tronçonneuse parce que tu sais, normalement, tu peux approcher l'ennemi et le tronçonner, mais là, ça fait deux fois que je me prends une tronche, donc c'est pas grave. On va y aller tranquille. Ouais. On avance doucement. Ouais. C'est pas de difficulté en plus, c'est vraiment. C'est une morbette. Non, je vais la prendre. Rien de méchant. Là. Oh, mais le level design a l'air tellement cool. Allez, on s'arrête pas. Bon, après, on a des égouts assez classiques. Non, mais pas forcément le côté classique du visuel, mais tu sais, le fait que les ennemis puissent monter comme ça sur les côtés, que t'es comme ça, t'as une phase un petit peu contemplative. Après, là, t'es dans le noir, dans un tunnel avec l'obligation de regarder la lampe et tout. Donc, tu vois, il y a des idées quand même. J'ai essayé de tronçonner, Yurika. Ah, c'est ça, fallait rester appuyé sur R. Et eux, j'étais F. Je disais bien que ça manquait. Hey, c'est moi. Mais une fois, voilà, là je suis en mode confort. Tu restes appuyé sur R en fait et tu les éclates. Attends, laisse-moi un. Vas-y. Ah, c'est bon, d'accord. Faut juste avancer dessus. Ouais, voilà, exactement. Sympa, ça défoule. Ah, c'est fabuleux. C'est parti, les trucs qui marchent très bien. En mode jardinage, exactement. Oh, j'ai plus de munitions. Ah, y'a beaucoup d'ennemis en plus là. Attends, je vais à la grenade. Tu peux pas tronçonner ? Ah, pourquoi il veut pas que je grenade ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est fait exprès pour qu'on recule ? Est-ce qu'on est pas allé dans une zone trop dure pour nous ? Attention ! C'est bon.
C'est bon, tu les as. Non, non, le level design est bien fait, parce que là même, tu vois, petit moment de pression et tout, non, c'est trop bien. C'est bon, ils sont tous morts. Bon, par contre, j'ai plus de munitions. Moyen de sortir d'ici. C'est la loose. Et tu peux peut-être en récupérer sur eux éventuellement. Bon, eux, je pense pas qu'ils aient des munitions. Peut-être les. Bon, on verra après. J'ai une arme de pompe. Là, il y avait un mec qui était posé par terre, mais je vais choper. Ah là, t'as un truc là. On va pouvoir sortir par là. Je te laisse. Merci. Ok, 30 munitions, c'est pas encore ça. Ah, attends. Et là, Dave. Je vais regarder s'il y a autre chose. Vas-y. Ouvre-toi. Voilà. Tu sais quoi ? S'ils veulent transformer cet endroit en ruche, qu'ils le fassent. Aïe, aïe, aïe. Une île isolée à des centaines de kilomètres de la côte. On peut en parler avec R avec celle-là. Oh là là. Fois qu'on parti. Mais non. Sérieusement ? Tellement bien fait. Tu vois, Dave a pigé. Ça, c'est un jeu qui met des paillettes dans les yeux. Ah, ça, j'aime bien aussi, ça. C'est parti. En avant. Ah, ça peut mal finir, ces histoires. Fais attention, quoi. Ça, c'est alors, les goonies, ça. Y'a quoi, ici ? Ah, y'a notre arme, si tu veux. Je récupère un peu les munitions, parce qu'on en a plus beaucoup. Vas-y, je vais tester l'autre arme. Ah, comment est-ce qu'on fait pour se baisser, hein ? Ah, c'est eux. Mais c'est pas clair. Allez. Ah, attention, cinématique. On met le son à fond. Okay. Grosse arme. Alors c'est là que t'as envie d'avoir le snipe. Attends, on peut marquer les ennemis. Ah ouais, de ouf. Vas-y, mais Crane, c'est trop bien. Attends, attends, là, les deux là-bas, on tue le truc rouge. D'accord, let's go. Deux. Oh, okay, bon. Ah bah d'accord, tu dis on tue le truc rouge. Moi je tue le truc rouge. Mais t'as vu les petits effets là, ça explose de partout, c'est génial. Ouais. Ah. Pour le fermer. Allez, easy. Oula. Trop sensible cette souris. Oula. Il va. Je vais baisser un peu la sensible. Mais... Attends, je vais. C'est un lance-grenade. T'as un lance-grenade là ? Ouais. Ah. Attends, j'ai l'impression que Dave il peut faire des trucs. Oula. C'est difficile de viser avec. Alors j'ai du mal. Attends. Bouge pas. Cible abattue. Non. J'étais tellement chaud. Ah. Point de munition. Comment t'as tout tué avec mon lance-grenade. Ce serait bête de les gaspiller. Magnifique. Non mais là sur le chat tout le monde est bien d'accord. Là, les environnements sont oufissimes. Et encore là vous magnifique. Regardez le stream dans une qualité miteuse par rapport à la VOD, c'est incroyable. Oh genre. Oh y'a plus de munitions. Facile. Crane, bon-le. Alors au pire tu peux faire la molette pour enfin je sais pas comment on fait pour toi. Okay. Peut-être la croix directionnelle pour passer d'une arme à l'autre. Ouais c'est la croix ouais. Par contre, ah ça... Vite, vite. Alors, j'ai du mal. Tu veux récupérer la tronçonneuse, c'est devant. Des munitions surtout, j'en ai plus. J'en ai eu un. Et là. À l'attaque. Bam. Oh, je sais pas s'il y a eu l'action, c'est incroyable. Où est-il ? Ça va marcher. Ok, que 12 munitions du Destructor. On me dit sur One X il est encore plus beau. Ça m'étonnerait, Armageddon. Non, sur PC, non, faut pas exagérer. Plus beau que le live, ça par contre, c'est possible, oui. Oui, non, bien sûr. Mais après, là, en tant que tel, je suis en 4K ultra tout à fond. Enfin, bien reçu. Je pense pas que la console le oh, passe. Je vais y aller au corps. Voilà, c'est ça que je voulais. Attention, vermine. Ouais. Attention, dur par contre. Oui, par rapport au live, oui, effectivement. Ah, j'ai plus de munitions. Pile ce qu'il me fallait. Probablement gâché là si je suis en non. Ouais là je suis à court de munitions. Je vais voir derrière s'il n'y a pas moyen de ramasser les trucs. Il y a des trucs par terre si tu veux. De toute façon à chaque fois les ennemis laissent tomber des trucs hein. Là il y a un truc bleu. Ça a l'air d'être. Ah je vois qu'il y a des coups critiques des fois, tu penses que c'est les tirs à la tête. Ah mais je l'ai pas du tout l'arme en fait. Je viens de tilter. Ok. Ouais je sais pas, oui il doit y avoir des coups critiques ou l'écho à la tête, c'est possible. Ah là attention.
tes grenades. Oh merde, pour l'instant, je fais ma. Contrôle, on a besoin je fais mes de courses. Hein. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Ah, j'ai peut-être besoin d'aide. Il y a un ennemi un peu costaud. Ok, petit, les renforts arrivent. Un peu très costaud, Crane. J'arrive, mais je suis pas à côté. J'arrive. Vite, des grenades. Choisir les renforts, DR1 avec les troupes. Envoie tout. Vas-y, on gardien. Oh putain, il envoie des sbires. Aïe, mais non, je viens d'arriver. Ah! Au secours! Rechargement! Ah, oh, mais je veux faire ce jeu en difficile, ça a l'air tellement bien! Il était déjà mort en normal. Hein. Non, mais parce que j'ai essayé un bouton. Attention, on dévie, ah, on dévie, on dévie. Et là, le pattern c'est tu esquives au dernier moment. Hop! Là, on se décale. Oh là là, c'est tellement agréable à jouer, mon dieu, le gameplay est tellement bon! Ça fait tellement du bien. Je vais essayer de lui envoyer une grenade, reste pas à côté. Voilà, putain, mais dire que mon dernier TPS avant ça c'était Left Alive quoi. Oh là là. Ah mon dieu. Attention. Allez. C'est toi qui l'as pété? Bah c'était synchro avec ma grenade, mais je pense que c'est le hasard. C'était totalement synchro avec ma grenade. Victoire du hasard. Merci pour le coup de main. Bon, nice. Y en a un qui sécurise la zone et l'autre qui vient avec nous. Allez. Et sinon, j'aimerais des munitions. Il y en a un petit peu. Là, j'ai chopé une caisse, tu dois en avoir là-bas, je pense. Sur la, là ou là. Je peux faire yes. Ça ou pas? Il y en a là. Ça marche pas très bien. 30. Mais 30, c'est rien. 30, ça... Je fais ça en un demi et demi. Ok. Alors. Ah, c'était très jouissif en tout cas. Ouais. Du coup, merde, t'as avancé ou pas encore? Oui, mais y'a rien, alors je pense qu'il y a un bien. Truc à faire peut-être avec Sam. Essayons ah non, fallait qu'on soit tous les deux, c'est bien fait. Ouais, je pense que c'est ça. Bah, c'est tant mieux, et puis c'est invisible, donc ça aussi c'est cool. Oui. Je me demande ce que ça donne quand tu joues à 3 et qu'il y a la personne qui joue le robot. Mais tu penses qu'on peut vraiment faire à 3 carrément? Bah, Squad c'était marqué 2 sur 3, et quand j'ai voulu changer de perso au début, ça me proposait le robot. Ouais, ouais. Donc, appuyez sur LT et X. J'ai pas bien compris ce qu'il nous demande de faire là. Appuyez sur left trigger. Ah, c'est toi qui l'as pour le faire. Pour que Jack interagisse avec les objets. Dave, inspecte ce ah non, c'est qu'il y avait un truc là-bas au loin. C'est bon ? Fallait qu'il aille dedans, ouais, regarde. Attends, il est où ? Ah non, il y avait un là. Panneau nul de l'autre côté là, voilà. Donc là, il est ça. En train de le faire ou pas ? Oui, ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, et puis ce genre de jeu à étudier en mode game design, c'est super intéressant parce que justement t'as l'impression que c'est juste un jeu de bourrin où tu avances et tu tapes. Mais si tu regardes bien, tu vois au niveau intensité, on est passé d'un truc très étriqué à un truc beaucoup plus grand avec des ennemis simples pour tester les grenades, les machins, etc. avec les tonneaux rouges qui nous ont été appris. Après derrière t'as un gros boss, donc gros moment d'intensité aussi. Après bam, on refait une petite accalmie avec un petit level design énigme où tu vas devoir viser machin, mais le robot là bam, re du truc étriqué. Enfin tu vois, c'est, je sais pas, il y a. Ouais. C'est une science de faire du dynamisme c'est comme ça et ils le font putain de bien quoi depuis tout à l'heure. Je suis alors, tiens, petite question. Oui. Là, on voit qu'il y a du loot dans cette, là-dedans. Qui aurait le droit de faire parce ça que genre, il y a une astuce pour pouvoir monter. Je pense que tu fais clic droit et E et c'est lui qui va te le chercher. Okay. Ah, mais je suis à la manette. Donc. Ah, clic droit et E, c'est lui qui va le chercher. Ah oui, c'est pas bête. Tu as raison. Ouais, je vois qu'on peut faire des trucs, donc je pense que ça doit être lié à ça. Ah, non, c'est ça, oui. C'est ah, on peut éclairer avec T, mais dis-moi. Ah non, ça marche pas. Il y a une grenade par terre si jamais t'es pas full grenade. Je sais pas où t'es parti. Je suis juste en train de trouver la touche pour avoir la lumière, parce qu'effectivement, ce sera plus joli pour tout le monde. Bonne question. Peut-être que je l'ai pas avec cette arme-là, hein, ceci dit. J'ai l'impression qu'elle est à qui la lumière? Non, moi j'ai... Non, c'est lui qui a de la lumière. Bah, je sais pas. Je sais pas où je suis. Non, parti. Y en a peut-être pas, peut-être qu'on m'a dit une bêtise. C'est un plaisir de servir. Bizarre. Ouais. Bon, je suis dans une salle fermée, mais y a rien dedans. C'est une salle bon, vide, je regarde des trucs sombre. Aussi. C'est le robot qui éclaire, d'accord. Ouais. Ouais, c'est le robot qui a l'air d'éclairer. Bon, bah on va suivre le robot qui éclaire. Des cadavres à droite à gauche. J'arrive pas à voir où tu es, mais je pense que je vais te retrouver. Ah, d'accord, j'ai trouvé. Objet oh collecté, trouvé. Nice! Max CGU, Guillermo Ray Azura. Le petit collectable. Toi aussi, ça c'est apparu du coup. Ouais, donc les collectables sont communs. C'est bien. Ça c'est très bien ça. Ouais. Alors là, je suis dans une salle où il y a plein de trucs, Crane, si jamais tu veux. T'avais monté les escaliers?
Non. Non, ok. Hey, y a quelque chose ici. Mais la suite est en bas. Sûr. La suite est en bas. Ah oui, on peut descendre derrière. Là où je suis, c'est sûr, c'est la suite. Je prends un chargeur de chaque, je te laisse des trucs aussi. Qu'on en ait tous les deux. Non mais on sait... Attends, là c'est d'où on vient. Donc non. La suite est en bas, ça doit être autre chose. Retro Lanzor, c'est quoi ça? Ouais. Non, t'as monté les escaliers, c'est obligé parce que j'ai tout fait là, donc... Je sais pas. Je sais pas. Tu peux faire, normalement, il y a une touche qui te permet de voir au travers des murs. Et tu vois où sont tout le monde. Ah bah oui, là, tu vois où t'es, là. Regarde. Tu vois où je suis? Derrière toi. Là. Derrière toi. Oui, oui, d'accord. Oui, je suis monté l'escalier, pardon, j'avais pas compris. Ok, d'accord, oui, parce que moi, je cherche, justement... Et là, faut que tu ailles sur la droite, après. Non, mais c'est bon, je t'ai vu, maintenant. Je regardais un petit peu partout. Là, et à droite. Et là, tu verras, t'as des trucs de partout. Ok. Ouais. Oui, Dave, bon, il fait un bon éclairage, mais c'est vrai que Dave, ça. Il aurait été mieux... sur notre fusil, quoi. Tu me dis quand t'es bon et quand t'as pris les armes. J'ai rien vu d'autre. Il y a des armes au mur, il y a des grenades. À droite, là. Ouais, voilà. Non, il y a rien là. Du tout. Là où je suis. Tu me vois. Ah, il y a une salle en plus. Là, t'as plein de trucs au mur. Ouais. Oh, ça, c'est bien, ça. Oh, des munitions. Oh, c'est bien, ça, les munitions. Grenades maxées. Ah non, c'est bien, ça. Donc, et là, t'as des... Retro Lanzor. Est-ce que ça change le gun qui est en cours ou pas? Oui, tu peux changer le gros flingue sur un autre gros flingue pour avoir deux gros flingues que t'aimes bien. Donc là, j'ai deux gros flingues, ok. Ouais. Donc ça, tac, 239 munitions, 150 munitions. Bon, nickel, c'est bien. C'est parfait. Tout bon? Allez. J'ai un sion. La musique, j'attends. Deathbot, sur lui. Ah. Oh, mais j'ai fait des feux d'explosion comme ça, c'est magique. Oula. Faut rester bien bloqué, je pense. Bien planqué comme il faut. Oula. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le gros ennemi qui t'a pillé. Ah, t'es plein dégâts, attends, j'arrive. Je matraque le touche A pour ne pas mourir. Merci. Hop là. Alors, matraquer, c'est juste pour aller plus vite. Hein. C'est pour prendre un truc. Matraquer, c'est justement pour pas tomber trop. Non, ah, c'est pas ce qui a marqué dans le tout à l'heure, pourtant. C'est bon. C'est bon, t'es ok? Oui, attends. Ah, oui, c'est qu'il a un lance-disque. Attention à l'explosion. Oh, ça lui fait tellement mal. Voilà, la grenade était efficace. Oh nice. C'est bon. Joli headshot. Je lui ai fait exploser sa petite tête. Est-ce qu'on peut récupérer son arme? Oui. Si tu veux la prendre, vas-y. Non, oui. Comme tu veux. Non, je suis très à l'aise avec les trucs tronçonneuses machin. Donc, si tu veux la prendre, vas-y. J'ai l'impression d'avoir un AK. Attention. Oula. Détendez-vous là. Qu'est-ce qui se passe? T'es où? T'es monté? Beaucoup d'ennemis au fond. C'est quoi son arme? Un découpe-tête, je sais pas quoi, du lance-disque chelou. Ça fait très arme de painkiller, je sais pas si t'as connu painkiller. Oui. C'est drôle ce jeu avec le lance-pieu là. Attends, là il y a un chaos. Mais il y a trop de trucs. Chaonax. Moi je veux tester toutes les armes. Comment ça? Ah, il y a une hache? J'en sais rien, j'imagine une grande porte avec une plaque et commandant écrit dessus. Chaomax. Bien sûr, j'aurais dû y penser. Entendu Max, je quand j'ai Axe, j'ai flippé. Non, là je suis sur le gun. Dac. Donne-moi ma découpeuse. Je peux plus prendre la découpeuse. Ah non, tu peux pas remplacer le petit gun, c'est pour ça. Oh, allez. Hop là. Un petit collectable. Collectable. Oh. Oui, collectible, c'est pareil. Hop là. On me demande s'il y a des lance-flammes dans le gaz à foie. Je ne sais pas. Alors là, je pense qu'il faut viser, comme tout à l'heure, un truc pour que le robot il fasse sa vie. Probablement. Pour l'instant, je regarde. Bah là où il y a un truc à faire, hein. Clairement, on peut monter, je pense. Non. Attends, j'aimerais descendre. Attends, est-ce que je peux monter en deux fois? Allez, fin des fins. Non, là, ouais, il faut envoyer le robot ici. Dave, entre dans ce arrive. Attends, mais ça marche pas. Bon, Baird veut les données manquantes, c'est ça? Je sais pas. C'est censé ressembler à quoi?
Bon, oh, et ben, si on les a extraites du réseau, elles doivent être sur les sortes des grenades à ramasser par là. J'ai rêvé. Là. Il y avait une grenade, ouais, au sol. Comme j'en ai utilisé une, hop. Encore un collecteur. Allez. Alors, si jamais vous voulez faire un backseat collectable sur le chat, vous êtes autorisé. Fais le tour. je suis un maniaque. Coffre pour planquer des secrets. Ah, des choses intéressantes dans ce bureau. Il y a un verrou, ouais, qu'on pourrait faire déverrouiller par Dave. Dave. Ouais. En tout cas, j'ai pas l'option. Faut faire viser et eux, mais je pense qu'il est en train d'arriver. Oui, c'est ça. Ok. Ils ont pas mis une mécanique de piratage, hein, faut pas déconner. On n'est pas là pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu trouves? Contrôle. Ah bah c'était l'objectif. Je pense qu'on a écouté tout le scénar. Ah bah oui. Évidemment, c'est les documents de l'amiral Delta. Le silo, on l'a trouvé. Et on est encerclé. Ah merde, on arrive. Alors, par où il peut ouvrir? Bah là, hein. Ah c'est bon. Non, il faut... Faut qu'on soit deux. Attends, ouais, X, voilà. Vas-y bien. C'est bon. Yeah. Oh là là. Ça c'est le bro porte, ça c'est parfait. C'est toujours sympa ces petites phases coop. Mais oui. Oh, t'as vu les particules là sur la droite? Dave, impulsion. Qu'est-ce que c'est que ça? Lance grenade. C'était fort quand même le lance grenade. Hein. Ça c'est quoi la masse? Ok. Je sais pas. Ah y a plein de grenades. Mais ça fait 3 armes que je trouve. Je peux même pas les tester. Bon, on aura le temps. C'est un méchant ça. Je pense que oui. Ah, et je crois qu'il a une arme que l'on a également. On peut pas vous laisser seul 5 minutes. Ouais, je suis mort. Il est là en colère. Aidez-nous à faire le ménage. Non, c'est toi qui te renfonne ou que... Non, ça c'est un allié ça. Ah d'accord. Ah oui, c'est ça parce qu'on l'a retrouvé bien sûr. Attention, ça a piqué. Bam. Attention à l'explosion. J'ai mis une grenade hein. Regarde, regarde, regarde. Bim. Oh là là. Ah. Moi aussi, je veux savoir parler en faisant de l'écho. Imagine, c'est trop bien, t'as pas besoin d'effet. De quoi? L'ennemi parle en faisant de l'écho. Ah, c'est vrai? Oui. Trop de style. Cible abattue. Mais non, mais j'ai tiré un... Ah, oh, mais quel boulet je... Pardon. Qu'est-ce que t'as fait? Il y a eu une grenade qui est partie, balle perdue, quoi. Enfin, grosse balle perdue. Comme mais... truc, ça. Faut que j'essaye. C'est parti. Ah, merde. Attends, vas-y, vas-y, je te lance. Ah, vas-y, vas-y, prends. Non, non, c'est bon, prends. Je sens frustré, tu veux essayer plein d'armes. Fonce. Fais-toi plaisir. Alors, qu'est-ce que ça fait? Mais, par contre. Oh! Je reviens pas, il me lâche! Non, là, c'est quoi tu veux. Oula! Ça fait peur. Ça a l'air dangereux. Ah! Il faut que je prévoie un peu plus les mouvements. Allez! Mais tronçonne le bordel de. C'est bon. Bon, d'accord. Non, mais je l'ai fait exploser, ça suffit. C'est sympa d'être venu nous voir. Oh, pas de problème, la fusée est en. Attention, il y a un collectable ici. On le croit ou non. Wow. Bien. Merci à la personne qui fait les abonnements. Allez, à toi, merci beaucoup. Et merci à MC4 aussi, merci à Madrum. Et merci à Lincha pour le sub, des bisous. Merci, merci. Il n'y a pas un collectable là? Tout le chat n'a pas hurlé pour dire qu'il y avait un collectable, je comprends pas. Ah bon? Ils ont vu quelque chose? Ça brille de mais partout. Non, mais à quel moment il n'y a pas de collectable dans une salle comme ça? Une logique quoi. Non, peut-être pas, hein. Marcus, mais c'est vrai que là tu te dis sans vouloir faire la promo du Game Pass pour 2 balles tu pas. Fais 2 soirées avec des potes sur le jeu là, c'est tout quoi. Complètement. Le prototype de rayon doit être dans la coiffe. Ça a l'air d'être fini pour cette zone hein. Ah oula attention scénario. Contrôle, on y est. Tu peux lancer la séquence. Niveau 1 pressurisé. Lancement initié. Erreur. Delta, on a un problème. La trappe du silo, elle s'ouvre pas. Évidemment. Je savais que c'était trop facile. Merde, les options. Tirez-vous, les pans planés vous protégeront pas de l'explosion d'une fusée. Ok, alors on annule. On bouge. Alimentation hydraulique externe activée. Non, on va ouvrir cette trappe. Qu'est-ce que tu dis? Écoute ton père petit, vous pouvez pas rester là. On a accepté la mission, alors on continue. Test de mise à feu. On a la termine.
feu, moteur 1. Quelle merde, James! C'est la dernière fois que je te suis comme ça. Ouais, ouais, on dit ça. Allons ouvrir cette trappe. Et allons éclater des gueules. Ah, c'est quoi, je sais pas, il doit y avoir c'est des magnifique. Commandes manuelles en haut. Hop là. Trouvons un moyen de monter. Alors. Oula. Attention, Brain, ça vient de partout. Non, c'est le robot, ça. Attends, c'est quoi, ça? Ah, il est possible que je sois mort. Ah, merde. Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, on avait le checkpoint. Il est possible que je me sois tué tout seul, je ne sais pas. Ah. Je ne sais pas. Peut-être que l'arme, l'explosif m'a rebondi dessus, je ne sais pas. Et cela ne nous regarde pas. Il aurait voilà. éventuellement explosé lui-même de son projectile. Alors, mais elle est dangereuse, cette arme-là. Il doit y avoir des commandes manuelles. Bah, ça avait l'air assez dangereux, oui, parce que tu as mis un petit dégât en plus. Hein. Je l'ai senti passer aussi. Ah, mais c'est super chaud. Comment tu fais pour la... C'est quoi, en fait, des énormes corps à corps, c'est ça? Je sais pas trop. Non, ça veut dire elle explose. Donc, ça a pas l'air très corps à corps. Attention, Crane. Oh, t'es mort. Alors. Oui. À l'aide. Je vais réussir à tout relever. Alors, X. Oh, nice. Oh, merci. C'est bon. Oh, ils ont simplifié le truc en 2 secondes, c'est trop bien. Bon, elle est facile là. Hop. On éclate j'ai tout plus, le monde. J'ai plus mon autre arme. J'ai fait n'importe quoi avec mes armes. Il a dit patate, je crois. Comment ça, patate? Potote. Moi, j'ai compris patate. Potote. Il y a du monde à gauche. Zut. Alors là, trop de fumée hein, par contre, hein. Les particules, ouais, généreux, mais... Ah, magnifique. Oh là, quel choc. En plus, tu lui as dit, prends ça, c'était... Héroïque, tu sais, pour pouvoir faire des taunes soi-même. Ouais, ce serait rigolo, oui. Ah bah voilà, regarde. Dave, envoie la plateforme, vite. Oh là là. Non, c'est pas bon du tout. Ça a pas l'air de... On se cache, on fait quoi? Non, ça a l'air ok. Ah non, c'est bon. Juste, okay, regarde, on peut tu vois. Traverser. Ça, c'est la magie de Dave, tu vois. Ah oui. Toujours dit qu'il était pas has-been. Il est dans le coup, Dave. Oula. Attention, oula, il y a des flammes. On se calme. Il y a des ennemis ou pas? Je sais pas, je renvoie Dave. Dale, ça a combien de moteurs une fusée en général? Non, c'est en bon, général, Dave, il est tranquille. Parce qu'en fait, là, le but c'est qu'on fasse le tour si je comprends bien. Ah, t'as vu, il y a des ennemis là-haut qui vont tourner sur la gueule, hein. Je sais pas si tu les as vus. Non. Là, on traverse des capots de feu. Oui, parce que là, tout de suite, ça me semble compromis. Oh là là. Cette course incroyable. Tadam, tadam, tadam. On a pris un petit peu le chaud là. Hein. Ça doit être fatigué de monter des escaliers comme ça. Putain, j'avoue. Mais heureusement qu'ils n'ont pas mis d'endurance parce que sinon ça aurait été horrible. Ah oui. Oh là là, cette phase, cette caméra, mon dieu! Merde! Oula, oula, le feu. C'est. Ouais. Il y a eu un petit effet boom. Oh, il montait! Ça fait un peu. T'as vu comment il a monté? Par contre, tu t'es. T'es pris les pieds dans je sais pas quoi. Ah, un peu vautré, ouais. Sont partout. Oh là 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 là, mais c'est tellement généreux. Oh, j'ai super mal. Mais qu'est-ce qui me fait mal comme ça? Franchement, je suis assez chaud qu'on le fasse en entier, Crane, hein, je te le dis tout de suite. T'es assez quoi? Assez chaud qu'on le fasse en entier, s'il dure 7-8 heures. On verra, ouais. J'ai pris. Non. Oula. Attends, on voit après. Oh, merde. Allez. Lancement dans 15 secondes. On y va! Vite! Lancement dans 10 secondes. Dave! On n'a pas le temps, allez! Appuie! Non! Dave est encore dedans! Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est juste un robot! Mais c'est pas sa faute! 2, 1. Je te tiens! Décollage. On aura tout vu.
Sam, on est prêt pour l'extraction. Jean est au courant de votre petite escapade au pays du rayon de l'aube. Et comme je l'avais prédit, elle est pas super contente. Maintenant qu'elle a fini de hurler sur moi, elle veut tous vous voir. Sans exception. Bien reçu, contrôle. C'est l'heure de la leçon de morale. James, et si je parlais à Jean d'abord? Histoire de calmer le jeu avant que tu la briefes. Ne me dis pas que le sergent Phoenix est devenu diplomate. Appelle ça comme tu voudras, seulement on est en guerre, même si ça se voit pas encore. On doit être sur la même longueur d'onde. Oui, c'est sûr, enfin, si tu penses que c'est mieux. Vas-y. J'aurais apprécié que tu sois aussi coopératif quand on était au silo. Ça a pourtant marché, non? Écoute-moi, James, un conseil. Arrête de vouloir être le meilleur. Ne fais que ton boulot. Papa, j'ai pris un risque nécessaire. Nécessaire, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre option. C'était pas nécessaire. Et tu le sais. Qu'est-ce qu'il te voulait? À ton avis, la même chose que d'habitude. Hé hey. C'est juste qu'il tient à toi. Pourtant, j'ai bien l'impression qu'il tient beaucoup plus à toi qu'à moi. Ok, ouais. Bon, nous, on va à l'intérieur. Viens, Dave. C'est dégueulasse de dire ça. Ouais. Désolé. Tu sais, vous vous ressemblez bien plus que tu ne veux l'admettre. Les données sont devant toi, Damon. Mais attends, c'est fini? Je pensais que ce satellite se connecterait automatiquement aux anciens. Ils n'arrivent pas à les trouver. En l'absence d'envoi régulier de télécommande, la précision du suivi se dégrade. Merci beaucoup, Iris. L'intonation de ta voix ne correspond pas au sens littéral de tes paroles. J'en déduis qu'il me remercie. Tais-toi, pitié. Bon, j'ai pas encore réussi à localiser les autres satellites du rayon de l'aube, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai accidentellement créé une IA qui comprend le sarcasme. Tiens, le disque dur que tu voulais, ça t'aidera peut-être. À trouver les satellites? Je pense pas, mais je regarde ça. Attends, on a fait tout ça pour rien? Oh non, il va tirer. Mais avec un seul satellite en l'air, ça va être dur de contrôler le faisceau. Qu'est-ce qu'il a, Dave? Dave a des petits problèmes. Ah, mais quoi comme problème? Ce genre-là. Ah, je sens que je vais regretter ça. Oh, ok. Les gars, voici le nouveau Jack. Où est-ce que t'as trouvé le temps de construire ça? Où j'ai trouvé le temps de construire ça? C'est mon boulot. Je m'efforce de créer des trucs que vous négligez tous et que vous finissez par casser. Et il a quoi de différent, celui-là? Nouvelle palette de comportement, meilleur scanner, armement supérieur et module de soutien. Il est unique en son genre. Et là, il est à vous. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un milliard de satellites vieux de 40 ans à retrouver. Damon, il n'y a au total que 15 satellites manquants. Merci, Iris. Encore un exemple de sarcasme à ajouter à ta banque de données. Avant de commencer, Damon,
Bon, Crane. Oui. On est bien d'accord pour dire que le bracelet qu'il lui a filé, il le met même pas sur un doigt de pied. Le truc bon, Bird, c'est un gars en fait, c'était pas l'endroit. J'avais rien compris. Donc c'est un gars qui s'appelle Bird. C'est pas facile quand même. Alors, monsieur, plusieurs choses. Attends, qu'est-ce que j'avais noté ? Je sais plus. Et oui, même le doc, il fait du bodybuilding apparemment. Mais oui, il n'y a pas un mec fin. Et alors, bon, je vais râler, mais bon. La seule nana, par contre, elle est fine. Ils lui font des traits du visage assez doux. Ils lui mettent une voix assez douce, tout ça. Ils ne pouvaient pas la faire stock aussi. Ils mettent tout le monde stock. Pourquoi elle non, par contre. Alors qu'elle aurait défoncé en plus en mode vénère. Elle prend pas de muscles, tout ça, non. C'est... Bref. Ouais, bah, hey. Bref. Elle est un peu tankée quand même, mais c'est pas comme les mecs. Voilà. Des biceps, regarde, attends, on va voir des biceps comme ça. Ouais, ils sont plus gros que les miens. Mais. Mais même quand elle parle, ils lui font une petite voix un peu douce comme ça, tu comprends. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il y en avait une avant, bref. Par contre, dans Gears 4 qui était plus tanky. D'accord. Ce qu'on me dit sur le chat, mais après, bon, voilà, on verra, on n'a pas vu tous les personnages. Oui. Moi, j'adore le gars, il est en blouse blanche, donc c'est bon, c'est l'ingénieur, mais par contre, il va 7 fois à la salle par semaine, et il y passe 10 heures à chaque fois, quoi. Mais même le crâne, il est musclé, je peux savoir, il a des muscles dans le cerveau, tu vois, c'est impressionnant. Et c'est impressionnant. Ah, mais attends, mais on en parle de choses, là, qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, regarde, encore une arme. Il y a des cadeaux. Flash. On peut aller très vite? Non, t'es un flash qui étourdit les ennemis. Oh. C'est une grenade flash, mais dans la gueule. Mais ouais, mais... Et attrape. Pour aveugler l'ennemi, faites-lui sauter la tête, il ne verra plus rien. C'est pas mal. Mais c'est trop bien. Ok, équipez une capacité, bah allez. Hop, capacité de soutien, c'est ça? Ah non, pas du tout. Il y a quelqu'un sur mon chat qui dit, vous dites n'importe quoi. D'accord. Qui dit quoi? Il dit, vous dites n'importe quoi. Ah. Tout le monde n'est pas d'accord. C'est pas très grave. Voilà. On peut ne pas être d'accord. Pour le menu Jack, mettez la capacité à équiper en surbrillance. Équiper. Appuyez sur... Ah oui, c'est ça, ouais. Comment ça marche? Je vais vous montrer. Et après, on va choper des points de composants, trucs comme ça, ouais. Donc là, j'ai équipé un truc. Ah, il y a une nana vénère aussi, nous dit Killer You. Très bien. Donc, d'accord. Tu vois, on a parlé trop vite, je le sentais. Bon, prends une arme et mets-toi à couvert. Non, on n'a pas parlé trop vite non plus. On n'a pas dit que c'était le cas de tous les persos. Bref. Alors attends, peut-être c'est sur le menu aussi. Ah. Toi, t'as quitté le menu ou il y avait des trucs attends, à améliorer. Attends, collectable, toujours pareil. Oui, j'ai quitté le menu. En fait, c'est dans le menu. Tu sélectionnes en cliquant. Oui, ou mais je voulais voir ce qu'il y avait dans le menu. Hop. Alors. Ah, on a quelques armes sympas là. Donc on peut prendre ce qu'on veut. C'est cadeau. Ouais. Je pense que là, on est dans la zone où justement on va s'équiper M-bar, un petit peu de plein de trucs. Je vois qu'on peut bourrer fusil les. Fusil de sniper M-bar. Oh, ça, je vais prendre ça. Je vais rien toucher, mais je vais prendre. Ah, t'as un snipe là? Ah ouais, nice. Ah, par contre, je peux pas prendre le. Toi aussi, t'as pu prendre le snipe? Ouais, j'ai pris le snipe et le lanzor. Là, j'ai les deux. Bah, je peux pas l'avoir, le lanzor. J'ai que le snipe, pourquoi? Après, tu l'avais peut-être déjà. Fais la molette. Regarde pour si voir. T'as les. Non, ouais, j'ai rien. J'ai que l'embar équipé. Et toi, tu as les deux, toi? Ouais, j'ai les deux. Pas lancer le test. C'est quoi cette arnaque? Est-ce que tu peux tester de le poser et d'en prendre un autre juste pour voir? Je ne peux pas le poser, je pense. Ah. Bah, j'aurais juste un snipe. On est bien. T'es sûr si tu te mets près de lui et que tu vises ou quoi? Ouais, non, genre, j'ai rien. Peut-être un bug. Non, mais moi, je vais tous les one-shot au snipe. Pose aucun problème. Le doc, c'est un ancien Gears, nous dit-on. D'accord, ok. Ah. Ah, il est stylé, hein. Non, il est à classe. Pourquoi il faut toujours que tu compliques les choses? Mets-toi à couvert. Ah, il veut qu'on se mette à couvert. Ah oui, d'accord, faut mettre juste le... comme ça, quoi. Iris, ok, c'est bon, nickel. Alpha, 3, 3, on va être beau, tiens. Maintenez LT. À couvert. Le flash de Jack permet de régler. Ah, c'est qu'on nous apprend à faire le flash. Vise le devbot. Donc c'est avec T. Achève-le. Ah nice. C'est toi qui viens de le faire plus... Non, je sais pas. Ça moi j'ai mon snipe bien. Donc Maintenant on va essayer avec des cibles multiples. Iris, active la séquence alpha. Ça c'est rigolo, c'est la voix de Mel Gibson. Tout de suite. Enfin, française mais. Jack doit rediriger l'énergie entre les flashs. Par contre, c'est pas sur rien moi quand je fais. Ah oui, non, ça s'est pas encore rechargé. C'était hein. Jack est pas prêt. Rechargement initialisé. On va voir.
Rechargement initialisé. Ah oui, d'accord, c'est vraiment le robot qui fait le truc en fait. D'accord. Rechargement initialisé. Ah, c'est bizarre que ce soit le robot qui aille par contre. Ah, on me dit pour les... on m'a expliqué pour le gun ce qui s'est passé. C'est quoi? En fait, il y en avait deux, mais t'as pris les deux. Et le deuxième se transforme en munitions. Du coup, Ah, pardon. Oui, je pensais que c'était une munition, moi, point bas. Oh, c'est monstrueux ce flash. Oh là là, il est trop bien le gun. Ah bon? Et oui, c'est un truc à charger en fait. Bon boulot. C'est que tu restes appuyé le temps qu'il se charge. Et après, tu lâches et ça tire la balle. Séquence de test terminée. Oui, c'est le doc, effectivement, t'as pas envie qu'il fasse une coloscopie, ouais. Jack est mon meilleur ami maintenant. Installez-vous, monsieur. Mais je voudrais que vous reposiez vos armes. Anesthésie, c'est pour les faibles. Le corps, maintenant. Je le fais à la webcam, attends. Quoi. Râtelier. Qu'est-ce qui se passe? Endors poser l'arme. Oh, mais je l'ai pas rangé au bon endroit. C'est normalement, ça va de l'autre côté. Ah, t'as remarqué? Ouais, on a fait n'importe quoi. Tu peux améliorer les capacités de Jack avec les bons composants. Avant d'aller voir Jean, passez par l'armerie. Allez, on y va. Composants, vous pouvez emprunter. Oh, ça, on y va. Alors, petite question, Crane, tu veux qu'on fasse la coupure de la VOD quand? Que je sache à peu près. Dans pas longtemps. Ok, ça marche. C'est qu'il a des choses plus importantes à faire. Comment il va? Oh, le petit robot. Oh, si, c'est ça. Attends. La franchise est vraiment une des plus grandes qualités d'Iris. Je me demande d'où elle tient ça. Il y a eu un dialogue d'une qualité rare dans la cinématique. Il y a eu un dialogue absolument fabuleux. À un moment, ça a dit « C'est qu'un robot, mais c'est pas sa faute !» Voilà, et j'ai trouvé ça génial. « C'est qu'un robot, mais c'est pas sa faute !» La réplique est assez fun. Bonjour aux personnes qui arrivent sur le live, bienvenue. Juste avant que vous arriviez, il a vivement critiqué la première ministre et il l'a traité plusieurs fois de... Inutile de l'entrer dans les détails, Iris. D'ailleurs... Il y a deux trois trucs à fouiller autour, mais je sais pas trop exactement vers quoi ça nous mène. Et donc Ego Cohen nous dit ouais que le chara designer de Gears est aussi musclé que ses persos, c'est rigolo. D'accord. Le mec, en face, là ce que tu regardais. Attends parce qu'il parle Iris, en même temps. Tu serais pas ma mère cachée par hasard? T'as vu le gros bras là que tu regardais juste avant? Ouais. La vraie question c'est, il est attaché à quoi ce gros bras et est-ce qu'on pourra le piloter? Voilà. Ah, oh, je pense en pas face, qu'ils aient là. Fait ça quand même, ce serait bah, ouf. Regarde en face là, regarde, j'avais même pas vu, mais en face du bras. T'as vu? Ouais. Il y a le robot. C'est un gros chapitre. Tu seras content d'apprendre que j'ai localisé un des satellites manquants. J'adorerais piloter un truc comme ça, je sais pas si c'est possible. Faut que tu joues à Titanfall 2 alors, Crane. Meilleur FPS. Dans le 4, la campagne de solo, elle est. De quoi? Dans le 4, tu le pilotes apparemment. Ton esprit d'accord, de ok, voilà. Nice. Ah bah tiens, hop là. Photo de l'espoir de Kilo. L'espoir de Kilo qui envoie du lourd. Ouais, je m'en doutais. Ok. Bon, il fait les choses, mais on sait pas trop vers quoi on va. On n'écoute pas donc. ça aide pas. Du coup, tu veux qu'on fasse quoi? Ah, t'as appuyé sur le bouton rouge. On se tient au courant. Venez les gars, on décolle. Ah, pas de soucis. Comme tu veux, si tu veux, on coupe ici et on peut en faire la suite là. Ah, bah attends, voilà, bah attends. Allez! Hé, hey, Faz! Alors, c'est comment d'être le larbin de Jean? Super! Et puis, on peut pas tous partir! Oh! Oh, mission secrète! Ah ouais? Et comment tu sais ça? Ici, c'est une armée! Pas un monastère! Ouais, ok, mais moi, je vois qu'il faut surtout pas te déranger pendant ton combat épique contre cette machine. Fin de l'entraînement! Attends un peu! Tricheur! Bâton merdeux! Explique? Je sais pas. C'est peut-être une brosse à chiottes d'un nouveau genre. Ou juste un bâton fait avec de la merde. Ok, va te faire foutre. On va rendre les choses plus intéressantes. Toi et moi, en duel, maintenant. En quoi ça serait intéressant de te mettre une raclée? Oui ou non? Tu veux jouer? Quelque chose me dit que ce que vous allez mesurer, c'est la taille d'un organe que j'ai pas. Alors, je crois pas. Trop drôle. Alors, c'est oui ou c'est non? Oh, c'est oui. Allez, mec, on récupère le module de Jack et on se tire. Non, ça va être drôle. Fils de... Alors, tu trouves ça toujours aussi drôle? Essaye encore, Faz. Allez.
Tu sais quoi? C'était le bot qui s'entraînait avec toi. Mais il peut pas te battre. C'est pas dans son programme. Mais ça explique. Merde. Ton excès de confiance. Et il a tellement pris l'initiative. Un conseil, Phoenix? Merci, non. Jean a toujours eu ses chouchous. Mais il dure jamais. Tu vois, c'était drôle. Va te faire. Bon, allez. Maintenant que tu t'es bien amusé avec Phase, on peut aller chercher ce composant? Quelle idée. Ok. Pauvre robot. C'est putain bassé de ouf. Non, on peut le regarder. Qu'est-ce que ça dit? Ouais. Tu veux que je te dise, ce Kuba, c'était magique, mon pote. En fait, ça doit être classe, hein, t'imagines. Tu vas prendre le kendo et tout ça, et tu peux t'entraîner avec un robot comme ça, genre toute la journée. 8 heures d'affilée. Ouais, qui sait faire des prises et tout ça, et puis à un moment, ça se passe mal. Ouais, mais ce serait trop classe. Et t'imagines, pour t'entraîner non-stop et tout ça, c'est trop bien, quoi. Oui. Ah. Il y a voilà un point de compétence ici, Crane. Voilà, je sais pas si je le récupère pour deux. Vas-y, on verra bien. Je pense que oui, mais bon, faut quand même vérifier. Je me demande ce qu'il sait faire. Yes. Ah, allez, nice. Et donc là, améliorer Jack. Je vais essayer l'amélioration et maintenez A pour la construire. Assurez-vous d'avoir suffisamment de composants. Ok. D'accord, donc là, le flash se recharge plus rapidement. J'avoue que j'adore le nouveau Jack. Comment ça, le flash se recharge plus rapidement? Essaye de cacher ta joie. On doit d'abord aller dans... Bah, le flash, en gros, tu pourras le déployer plus souvent. Ouais, on va passer assez de temps avec elle. Attends, mais comment tu vois ce que classe. Tu peux améliorer? Composant, ça me dit que j'en ai zéro. Tu l'as pas eu? Bah, ça me dit zéro, donc... Non, c'est pas possible. Attends, quand tu... Composant là, t'as pas eu composant trouvé? Ça y est, ah, oui, là, à l'instant, je viens de l'avoir, là. Mais non, là, t'en as deux, parce que là, c'est le deuxième. Ah bah non, j'en ai qu'un. Mais c'est trop chelou. Ah, peut-être... Ah, merde! Peut-être que quand j'ai fait l'amélioration, ça l'a fait pour nous deux. Tu crois? Ah, c'est pas impossible, non. Ouais. Bah attends, on va essayer, je vais faire une amélioration. Où est-ce ouais, que... moi, j'ai que deux améliorations, hein, pour le moment. Non, j'ai pas d'amélioration du flash. Oh, Kate, ça peut pas continuer comme ça. Bah, vas-y, mets ta fenêtre, comme ça, je verrai... je vais voir sur ton live. Je l'ai ouvert ouais, sur attends, le côté. J'ai une trois collectable. Donc là, moi, j'ai cliqué sur assaut, par exemple. On veut pas si... Ouais. Tiens, on va faire ça. Et là-dedans, tu vois, t'as un truc... Et je fais entrer et ça améliore, tu vois. Ouais, ça d'accord, mais je l'avais pas fait encore. Et là, le assaut, du coup, je. Ah, si, c'est bon, ça m'a. Ouais, t'as amélioré, ça me l'a amélioré aussi. Ouais, donc c'est ça, c'est que je l'ai validé pour deux. Bon, bah, du coup, faut qu'on se mette d'accord. T'as fait nos améliorations. Bon, je m'en fiche, t'améliores. Du moment que c'est amélioré, moi, je suis content. Ouais, mais après, faut savoir qu'est-ce qu'on améliore, tu vois, si j'ai vraiment vers un build ou pas. Au champ de vision de ces trucs. Oui. Ok. C'est rigolo, genre de phase. On va faire la deuxième mission. Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien quand c'est pas quand il y a des petites phases pour alterner comme ça. Ouais. Par contre, trop de collectables, hein, c'est l'enfer. Je me dis, mais pour les avoir 100%, là, pouh là là. Du coup, faut faire quoi? Bah, je pense qu'il faut juste sortir là, à la porte. Ouais, c'est ça. Ok. Je veux être parfaitement clair. En ce qui concerne cette arme... Je ne partage pas votre optimisme. C'est bien la première fois que quelqu'un m'accuse d'optimisme. Oui, soit. Mais je vous rappelle que votre femme était opposée à l'idée de réactiver le rayon de l'aube. J'aurais pensé que vous respecteriez la volonté d'Anya. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Ce sera mieux pour nous deux. Anya aurait voulu que vous... Je vous interdis de parler d'elle. Si c'est ce que vous pensez, je ne discute pas. Vous et votre saloperie de programme de fertilité. Un programme qui vous a donné un fils. Ainsi qu'à moi. J'honore Anya. Et j'aimais Anya. Oh. Peu importe que vous me croyez. Quand mon programme en était à ses débuts, elle est venue me voir. En tant que volontaire. Les deux fois en tant que volontaire. Quand les gens ont vu que la ministre Stroud suivait le traitement, avez-vous une idée du nombre d'enfants qui sont en vie aujourd'hui grâce à elle? Elle aurait dû être enterrée ici, avec les Tout-Puissants. Les gens ont besoin de cette inspiration. Cette inspiration était ma femme. Madame la ministre, le lieutenant Phoenix et son escouade. Faites-les entrer.
Lieutenant, on m'a dit que votre mission s'était bien passée. Écoutez, je peux vous expliquer. Je vous écoute. Expliquez-moi pourquoi Damon Baird m'a remplacé. Et pourquoi vous avez cru bon de vous passer de mon autorisation pour déployer un satellite du rayon de l'aube. La même longueur d'onde, hein. Lieutenant, le rayon de l'aube a fait plus de victimes dans nos rangs que la plupart des armées que nous avons combattues. Votre père est bien placé pour le savoir. C'est pas des armes dont je me méfie, Madame la Ministre, mais de ceux qui les utilisent. Il est hors de question de réactiver le rayon de l'aube. Ah, ça doit être le rapport sur l'évacuation du camp numéro 2. Vous évacuez le camp numéro 2? Pourquoi? Il y a de l'activité dans le cimetière voisin. Chef Carmine, au rapport. Alerte, on se fait attaquer! Il nous faut de l'aide immédiatement! Carmine, là on ne vous entend pas bien. Envoyez-nous des renforts! Vite! Envoyez la 4e division. On prendra le commandement des renforts. Faites-le! Vite! James, on approche! Où tu veux qu'on aille avec Kate? Attention! Rien ne doit rentrer par la porte principale. Tu réalises que c'est moi le plus haut gradé ici, hein? Là, on rejoint Carmine au centre pour lui filer un coup de main. J'arrive pas à croire qu'on soit de retour ici. On faisait notre devoir. Essaie de passer à autre chose. T'es sérieux, là? Les gars, c'est pas le moment. Cole, comment ça se passe dehors? Accrochez-vous! Sortez, allez, vite! Daryl, cours! Dépêche-toi! Non. Ça va être le moment de la petite pause. Est-ce que ça te plaît de jouer en pause aussi? Je m'y attendais tellement pas. Ok, c'est tout bon. Mais oui, je pensais bien sûr. Qu'il nous laisserait respirer et qu'on puisse finir la VOD. C'est marrant, j'ai regardé sur ton live. On n'a pas exactement la même chose dans la cinématique quand tu tombes et que je suis pas au même endroit. C'est rigolo. Ah, nice. C'est sympa. Ouais, non, c'est très très sympa ce côté-là. Ah, bon. Taf, ouais, du coup. Et bah, fin de cette première partie de la découverte. Petit bilan, oui. Atto, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'on le fasse en live ou pas, je vais poncer le jeu, mettre mon PC dans le salon et le torcher. J'ai trop envie de m'y jeter à cœur perdu, c'est trop bien. Il me donne envie de manger de la pizza et de boire du soda, les trucs que je fais jamais. Mais c'est trop ça, c'est vraiment, c'est vraiment le jeu canapé par excellence. Quoi. Ça donne trop envie de se poser dedans et puis ouais, de faire le jeu en mode genre un peu succès 100% et tout. Enfin, je suis à balle. Il est vraiment très très chouette, c'est vraiment très sympa. Ouais, trop bien. Il fait passer un très bon moment. Quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Et merci beaucoup au Kizip des Pizzous qui nous dit bonne soirée à vous. Merci, merci. Du coup, on fait la petite pause pour YouTube. Ouais. Des bisous à tous les glouglous. Des bisous à toutes les petites patates aussi. Et puis, on se retrouve dans un instant. Bisous. Des bisous tout le monde. Bye.